Alors, je vais d'abord te vocal. Qu'est-ce qu'il y a, Nash? Bon, ça n'a pas fait ce que je pensais. Il faudra que je lance un direct. Si je veux que le robot prenne en charge les arrivants. Oui, ceux qui font avec de fidélité et follow. Oui, alors Nash. Nash, une info pour ta chaîne sous Twitch. Si tu utilises Wisebot, si tu utilises un compte gratuit Wisebot, que tu as les fonctions de base, Wisebot se mettra au boulot sur ta chaîne uniquement lorsque tu es reconnu en direct, en ligne. Si tu casses la tirelire, alors je ne sais pas combien coûte aujourd'hui Wisebot. À l'époque, il y a 3 ans, j'avais cassé la tirelire. Je savais que j'allais investir dans un outil qui allait me servir pendant des années. Donc, j'ai fermé les yeux sur les tarifs. Et c'est quand même la bagatelle à l'époque, je crois, de 150 euros, si c'est pas 200, pour avoir tout en illimité à vie. Ce que je ne regrette pas, comme vous le savez, vu ce que je fais avec Wisebot aujourd'hui. Quant à la version payante que tu as achetée de manière intemporelle, là, parce que je sais qu'il y a une formule abonnement dans la durée, si tu veux vraiment supporter Wisebot, mais du genre tu verses 20 euros par mois, enfin je dis peut-être des bêtises, hein, ils ont peut-être révisé les tarifs depuis, mais tu dois renouveler indéfiniment la formule par abonnement, évidemment, à chaque fois que tu l'utilises. Mais tu peux le payer en une seule fois. Du moins à l'époque, j'avais pu payer, acheter Wisebot en une seule fois pour dire je mets un gros paquet de sous-sous, mais je l'ai à vie, j'ai plus de questions à me poser. J'ai cette chance-là. Et je sais pas si Wisebot, ils ont gardé encore cette politique commerciale. Mais quant à la version payante, t'as plus de questions évidemment à te poser. C'est-à-dire que Wisebot fait le boulot même quand t'es pas en direct. Ce qui a ses avantages sur certains points. Alors tu me dis, Nash, pour le moment je reste avec Botrix puisque Wisebot ne fonctionne pas avec Kick. Bah oui, ouais. Donc pas prévu que je change pour l'instant. À voir dans le futur. D'accord. Alors ton Botrix qui est apparemment l'équivalent ou un équivalent de Wisebot du côté de Kick, je ne le connais pas. Non mais je t'en prie pour l'info. Et Wisebot, oui, effectivement, n'est compatible qu'avec Twitch. Mais Cocorico, je le rappelle, c'est français. Le gars qui est derrière, et je crois qu'il n'y a qu'un seul mec qui est derrière Wisebot, chapeau à lui déjà, parce qu'il a réussi en tant qu'auto-entrepreneur, à flairer le coup et à développer. Wisebot, il le développe depuis plus de 10 ans. Hein. Alors, c'est à sa discrétion, mais je crois savoir qu'il est plein aux as. Et sans déconner, grâce à son bon boulot, je crois qu'il a pu à bosser de sa vie parce que il a suffisamment de rémunération pour capitaliser sur son beau bébé qui est Wisebot. Et lui, il a réussi son coup. Bravo à lui. Et c'est un Français. Le mec est adorable. J'avais déjà écrit un petit mot quand il avait ouvert le code JavaScript du Wisebot. Enfin bref, je vous raconterai ça en détail une autre fois, c'est pas là le propos. Et j'avais dit que j'ouvrais mon Discord privé à Twinsen qui va pouvoir parler. Oui, pitié Twinsen, fais-moi taire et reprends le. Prends le contrôle de mon direct en audio, vas-y, bavarde à ma place. D'ailleurs, il faut que je boive là parce que je commence à avoir soif à force de parler. Ça y est, je vais t'appeler en Discord, Twinsen. Twinsen Twitch a dit. Voilà, exactement. T'as tout compris, vas-y. D'ailleurs, Coucou. ça y est, on t'entend. Bonjour, Twinsen. Ah, tout le monde va bien. Bah, par concu par la chaleur, la plupart des personnes présentes dans mon chat, oui, se portent bien. Merci de poser la question, Tunsen. Ça va, j'espère que toi aussi ça va bien. Ah bah oui, je suis en télétravail, on se voit bien. Vivi, tu m'étonnes. Pour m'éviter tout ce qui est transport en commun, horrible, qui pouvait monter jusqu'à 34 degrés à l'intérieur, c'était magnifique. C'est bien, oui. Mais ça Mais cuit, punaise. oui, c'est merveilleux. Ouais, Aïe, aïe, aïe. j'ai peut-être un plan B au cas où, mais bon, je ne sais pas non plus si le plan B marcherait. Oui, on va voir. On va voir, on va voir. Je m'en fais pas plus que ça, va. Alors, attends. Tac, voilà, j'organise bien mon Discord, au moins qu'il n'y ait pas Parce qu'il me de semble que son. le jeu, c'était pas indiqué
Quoi s'appelle Remote Play dedans. Moi, je l'ai vu dans la fiche du jeu, figure-toi. C'était la dernière ligne, ça indiquait Remote Play Together. Alors, attends, on va Ouais. essayer. Je vais revenir sur le bon plan, celui du jeu, pas du tableau mystère. Voilà, on va dire jouer au jeu. Et normalement, je devrais pouvoir t'inviter avec la fameuse technologie de Steam qui est le jouer ensemble à distance. Le Remote Play Together Acapala Games. Eh, pas mal. Le coup de la tortue avec l'arbre sur la carapace, sympa le logo. Ah, là aussi, c'est un style graphique, c'est un choix fait en direction artistique, Ah c'est bah oui. sympa. Non, mais j'aime bien. Ah, ils sont. 210 mégas, c'est rien. Oui, c'est gentillet. Ouais, c'est du fait maison, c'est beau. Alors, il y a longtemps, dans une contrée lointaine de notre galaxie, l'astéroïde Donjon Nemesis a été le siège, en fait, la demeure d'une relique légendaire de puissance. Le démoniaque canard Duncan s'est emparé de l'artefact et sa légion de canards Oui, enfin bref, à semer la tyrannie dans la galaxie. Donc c'est le grand tyran local. Bref, il faut lui casser la figure. Jimmy et Pinky doivent retrouver les pièces de la relique et sauver la galaxie. D'accord, toutes les reliques. Et on voit qui défile à l'écran toutes les reliques visiblement à récupérer. Et moi j'ai coupé mon micro une minute parce qu'il faut que je boive. J'ai soif, excusez-moi. La carotte alcoolique en cocktail. Vous êtes sérieux? Tu as fait tirer. Non mais je lis ce qu'il y a à l'écran. The alcoholic carrots. Tu peux le mettre en français le machin aussi après, hein. Ah je veux bien. Ah, les ça me rend options. fou. Attends j'ai à moitié bu Ah oui tu as raison. Quoi? Dialecte en pirate en anglais. Je ne sais plus ce que je dis. Français, oui. Volume global, alors fais un petit peu moins fort. Oh, c'est la Voilà. musique 8 bits, hein, donc c'est la bonne musique aussi, hein. Oui, c'est de la bonne musique, mais pas trop fort, parce que par rapport à nos voix, ça va semer le public aussi. Fenêtre sans bordure, plein écran. Ah, si, attends, si je peux bordurer, pénétrer, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être mieux Ouvrez la pour tête. vous et moi. Ça va me permettre de garder la main sur mon écran secondaire tout en étant en direct, ce qui est plutôt agréable. Il y a plein de jeux qui font ça, tu fais les traits. Pas tous, mais c'est apprécié. Comme je l'ai fait finalement tout à l'heure avec le jeu de zombies, là, le State of Decay, ça me permet de rapidement de revenir sur mon écran secondaire et d'interagir avec mon chat, donc ça aide Même pas, en faut fin de pas mettre une compte. trop grosse résolution. Hein, d'après ce que je... C'est ça, exactement. Attribution des touches. Ah, oui, bah les flèches par défaut, tu m'étonnes. Moi, il n'y a pas beaucoup de touches hein, là-bas. Ouais, C'est pas je jouer à la vois. manette. C'est pas jouer à la manette. Hein. Je vais éviter, je vais garder souris. Grenade, corps à corps, ok. Alors le fait de sprinter, le fait d'utiliser un truc. Changer d'arme. Ouais, alors attends, le corps à corps. Non, je préfère me recharger le bouton de la clic molette. Ah, middle souris, oui, d'accord, c'est la molette qui fait corps à corps. Ah, c'est subtil, mais ça me va. Changer d'arme, oui. Activer le sprint. Bah, j'ai vu le sprint dash. Ah, oui, alors attends, je vais faire ça. Recycler. Je vais faire la touche. Ah non, c'est espace, mais c'est pas pareil. Recycler, donc je vais faire une autre touche. Je sais pas, la touche là, sans trop y croire. Allez, confirmer, moi, comme ça. Alors, si je lance une partie. C'est pas qui est où le remote play là? Oui, attends, il va arriver le remote play, mais je regarde, journalier, aventure, tempête sans fin. C'est bizarre Oui, qu'ils aient parce que mis sans ça. fin. Oh, bah oui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de but quoi. Bah pour apprendre, c'est peut-être bien qu'il n'y ait pas un sans fin, non? T'en penses quoi? Oh, je m'en souviens plus, j'avais joué un petit peu il y a très longtemps. Ouais. J'ai eu que deux succès, donc bon, c'est pas énorme.
Tu vas rire, j'ai les dates du succès. Hein. J'ai vu le 15 octobre 2016. Ah, j'allais dire 2013. 2016. Ah, 2013. Ouais, bah ouais. Et j'ai pas rejoué depuis. D'accord. Tellement que ça ramène, tellement que voilà. Aventure, j'ai le droit. On va faire facile, hein, on va dire doucement. Oui, je pense que les autres, ça doit se débloquer après, au fur et à mesure, hein, du truc. Alors, c'est là où je pense pouvoir t'inviter. En Remap Together. Remap Play Together, voilà. Ah, j'ai un peu. Ouais. Dès que j'ai installé. Ouais. Tu dois voir. Voilà. Ouh! Ah bah, manette. Alors je te laisse te mettre à ton aise et choisir ton perso, je vais me servir à boire, je me suis toujours pas servi à boire, c'est pas bien. T'as vu le tien ou pas encore, non? J'arrive, j'en ai pour 2 minutes. Yeah. Ah bah c'est bien, tu contrôles tout. Bah vas-y, Ah non! Je reviens dans 2 minutes, pardon, pour mon confort. Le slip, le slip. Le slip. Alors pour info, pardon, j'entends pas parce que j'ai pas mis les écouteurs. Je suis en train de m'installer, de me préparer. Et là, je serais mieux. Ah, j'avais pas revu l'invite. Ça y est, je vous entends tous. J'ai remis les oreillettes. Je me souviens plus que j'avais programmé Wisebot pour qu'il indique les jeux.
Oui, ça présente bien dans le chat. C'est bien le fiche, back, land, GT, duel, machin. Très bien. Je sais même plus ce que ça fait, drop et ticket. Je sais plus, il y a tellement de jeux. Bon, je t'écoute, excuse-moi, dis-moi tout. Vas-y, je fais ce que je dis, Jimmy. Donc j'ai pris Pinky. Tu prends Pinky, je prends Jimmy. D'accord. Donc on commence, ok. Je suis celui qui a les cheveux verts. Ouais, je suis cheveux rouges, ça me va très bien. Alors, vous prétendez être chasseur, allez me chercher une vraie relique au lieu de me faire perdre mon temps. Sélectionnez un mode d'arme. On en a pas, on démarre. Ah oui. Ah, c'est un peu... Quoi ? Emblème la première... Ah non, assemble la première relique en récoltant 3 parties au niveau 1. Bah on va se continuer le tuto du coup. Faut qu'on appelle. Je pense qu'ici, tu vois, on a une sorte de musée et faut les trouver là, tu vois. Il y a des trucs. Ouais. Il faut remplir les étagères, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 4, etc. C'est ça, la collectionnite. Ramener le butin ici, ouais, ok. D'accord, alors, maintien A pour sprinter, oui, comme ça. Oh là, je colle le mule. D'accord. Ouais. Appuie sur X pour changer d'arme. Changer d'arme. Ouais. Oui, dire que je veux ça. Un ennemi là. On peut casser le décor ou pas? Ouais. Le mec, c'est un ennemi. Ouais. Rechargement. Mais non, mais il est immortel, le gars, il est pour l'exemple. Il y a corps à corps aussi, je crois. Ouais. Une mini pour les chats. D'accord. Des grenades. Ah, et des bombes. Appuie sur left pour activer super bouclier. Ouais, particulier comme jeu, faut s'adapter. Ouais, tu fais tous tes trucs. D'accord, j'ai fini par briser le meuble à force de tirer dessus. Ça se tient. Ah, prime d'élimination. Et on se barre par là, je crois qu'on aura pété. Fini... Oh la vache, t'en fais des dégâts, dis donc. Ouais, sélectionne un mode d'arme, mais il n'y en a pas. Si, bien, on en a pas, oui. Ok. T'as un autre truc. Bah niveau 1, ça y est, on démarre. Ah bah il est là, oui, j'ai pas vu. On démarre, pardi. Alors ça y est, on rigole plus là. Oh la vache. Ouais, c'est nerveux. Ça me fait penser un peu à Hotline Miami. Pour ceux qui le connaissent. Ah, je rentre dans le lard, hein. J'y suis allé, mais alors à la Rambo, ça paye pas. Non, c'est mais je fais le pal, moi. Ah bon? Ah, sur ta peau. Attends, reviens au début. Au début, il y avait des munitions. Regarde, là, il y avait des munitions. Des munitions, pas des munes. Mais des munitions, oui, pardon. C'est tellement habitué de dire des munes par à tort. Non, 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 c'est français, non. Ah, oui, non, tu as raison. Alors, avance. J'aime pas les anglicismes, mais tu vois, mais moi je le fais avoir. Quoi, il y a un trésor? Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Là, faut casser les caisses, ça y était caché dedans. Ah. Je le fais tellement bien encore à corps que. Il y a une bombe ici, là. Ouais. Ça? Relique détectée. Appuyez sur X pour chercher le trésor enterré. Comment ça? Ah, sur croix, oui. C'est pas toujours très intuitif. Merde, j'ai lancé une grenade, moi, comme un ego. Parce que j'ai une flèche, moi, qui m'a mis un chemin.
tu l'as trouvé. Faut que tu creuses. Tu cherches du pétrole là. A groundbreaking moment, you dig your first relic piece. D'accord. Bon bah bien joué. On peut se barrer visiblement. Ah, c'est la suite. C'est très coloré comme jeu, c'est original. Il faut pas apprécier de la guerre pour marcher, pas marcher sans plus, hein. Ah. J'avais fait ma grenade, ça peut être pratique. Voilà, une bonne grenade bien placée. Voilà. L'intérêt de la grenade. Oh, fusil à pompe. Yala. Ouais, tu peux passer au fusil à pompe si tu veux. Il y a du monde en haut. Il y a du monde, il y a du monde. Attends, je me barricade. On a de la visite. Coup de pompe. Quoi, c'est un fantôme, mec? La vache. Sympa la musique. Ah, la santé. Bah, je serais mini plus mal en point que toi. J'ai plus de la vie à fond, c'est moi, non? Oui, ma santé est pleine. Tiens, c'est fou, t'as 280 points de santé alors que moi j'en ai entre 8 et 200. Je sais pas, c'est pas beaucoup perso, c'est bizarre. Ouh, il y a des vilains là. Alors là, ça va être défouraillé. Merde, je recharge. Je m'étais explosé. Oh la vache, la violence. Était-ce quoi? Était-ce un canard? Ce ne sont pas seulement des bandits, ce sont des... Des... Du camp. Bah oui, mais t'es sur le texte, excuse-moi. Les Ducans qui en veulent à nos reliques. Ducans qui en veulent à nos reliques. Ah voilà, là on voit mieux. Oui, c'est... Voilà, c'est comme moi, je pense, quand je dis un nonard. Ça me fait l'effet là, pas vous? Il y a une autocensure dans les jeux, non, je crois. Oui, on se barre. Enfin, troisième partie. Oh, c'est des molosses, c'est des horreurs, ça. Ça, c'est des chiens, gars, c'est des chiens, gars. Oh oui, alors. Qui m'a mordu, d'ailleurs. Il y en a un qui, je crois, qu'il avait pas la rage. Ah, des archers, là, c'est sympa. Oh, j'ai fait un tir 10 morts. C'est un succès, c'est horrible. Merde, j'ai plus de mun. J'ai plus de mun à part de quelques grenades. Non, j'ai même plus de grenades, génial, je suis à poil. Bon, ça craint. Attends. Ah, c'est, j'ai retrouvé un flingue. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a beaucoup de chiens en bas là, c'est pas normal. Ça va pas le faire. C'est cannelle. Cannelle, ouais, j'arrête là. Ouais, on parle des chiens de Christelle, là, pour ceux qui ne savent pas. Endurance faible. Oh, c'est une scène. Merde, recharge les manches, je peux me faire voir. Tire de précision. La classe. Ah oui, c'est le corps à corps. Et sinon, je recharge. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que je change de... Mais du coup, je recharge... Ah oui, je recharge comme ça. D'accord. Ouais, c'est subtil. Mais il y a un trésor, c'est ça? Que la faune locale ne soit pas très amicale. Oui, bah oui. Oui, non, mais il n'y a rien d'autre. À moins que tu aies trouvé du matos qui t'intéresse, une scène, on se barre normalement. Ouais. Non? La villa. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, tu crois qu'il y a des trucs là-dedans? Mais ouais, non, il n'y a jamais rien pour l'instant. Pour l'instant, ouais. On est effectivement de corps à corps à son intérieur. A déboîté le décor. Tiens, il y a des balles. Ah, bien vu. Le charme des vandales. Ouais, merci. T'as fait ma jauge de munitions, 6 mois. On va pouvoir sortir pour voir.
Attends, il n'y avait pas un truc là? Ah non, j'ai cru que le truc en haut, j'étais une boîte, mais elle était vide. Pardon. Et où est-ce que... Oui, bon, on va se barrer. Là. Ah, ah bah, il y en a un premier... Ouais. Pendant que tu étais occupé à te battre, j'ai trouvé tout ça. Achète donc. Alors, il y a des bombes, plus grenades, surcharge de bouclier et un fusil à pompe. J'arrive pas. Ah oui, on a 1500 de fric. Ouais, bof, rien ne m'intéresse. C'est triste. Hein. Alors, 2, 2, 1, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un point d'exclamation? Ah, c'est un point de sécurité. Wouah! Voilà, et oh, ils sont costauds. Ouais. T'es en train de déguster, Tinsen. Attention à ta barbeille. Bon, j'y vais au corps à corps parce que j'ai plus de mune. Mais il va me déwatter, lui. J'ai plus de mune. Et j'arrive pas à l'avoir au corps à corps. Il est chiant. Oui, il y a un flingue là-bas. Ah, t'as un bouclier, c'est bien. Alors attends, là il y a des mines. Et pourquoi il recharge, studio? Oh là 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 là. C'est un massacre. Oh là là, je suis dans le mal moi. Je suis là au corps à corps contre trois mecs. C'est la violence. Ouais, alors là, je te gérerai celui du bas parce que. Je suis tellement dans le mal que je peux même pas aller au contact. Bah j'ai plus de... Pourquoi? De munitions. Ouais. Ah mais je vais faire fusil. T'as une bombe? C'est bien. Ah! J'ai surtout des gros soucis là. Si je me pose, ils vont liquider hein, les gars. Je recharge. Allez, les derniers. Ah. Ouh. Bonjour. Eh ben, ouais, ah oui, la santé. Ah, ah oui, complètement la santé, ouais. Oh, pistolet brutal. Il y avait une autre trousse à pharmacie, je crois, dans la pièce, non? Il y a un fusil. Ah, GG, mais t'es doué pour les trésors, bien. Bravo, bravo. Il a trouvé le trésor, Twin Chain. C'est extra. Ah oui, partie de relique, ouais, trouvé, bien. Tiens, il y a la trousse à formation, quand même. Exactement. Bon, et où je fasse le sortir. Bien graphique. Alors, quand t'arrives voilà. À les avoir un à un comme dans mon jeu de zombies précédent, là ça aide. Regarde où je suis là, il y a une grosse caisse là, il y a des ouais. Chaînes dedans. Oh merde. Attends, je sais pas, ça attend. La prochaine trousse de santé est super bouclier. Ouais, je vois. Oh!
solide. C'est ce que j'appelle un tir de suppression. Ah, le colonel serait... Le colonel. Le commandant, je trouve dans les grades. Le commandant Duquesne serait aux alentours du niveau 4. Bon, bah je pense qu'on a écumé le niveau, hein, on peut se barrer. Ça va être une munition légère. Ouais. Ah, bombe. Ah, des grenades. Ça me bat les grenades, j'en avais plus. Hop, 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 comment esquiver façon Matrix les balles. Ah, t'as la supercharge de Buckley. Ouh, y'a du monde en haut. J'ai 4 flèches rouges, moi. Je n'y avais pas forcément avec mon 4 flèches de chaîne. Oh, grenade! Est-ce que nous devons faire la grenade? Ah, il m'a fait mal, le salopard, avec son fusil à plomb. Ouais, t'as l'air laqué, là. Oh. Ouais. On va aller vers les chiens. Mmh. On va aller vers les chiens. Pas de chiens. La grenade, les chiens. Ah, merde, j'ai pas de grenade. Oh là, il y a deux caisses. Tiens, pompe. Oh la vache, la violence. Oh bah je me suis quasiment que la légion de chien. Attends, je recharge. Comme ça. Ça me libère au fusil à pompe. Oh, c'est horrible. Je les entends gémir quand tu les tues. En haut, tu une scène. On a du butin en haut. Merci. Je fais tout mobilier en corps à corps. Munitions, ouais, si tu montes un peu pas. Ouais, je prends. Ah oui, oula, j'avais même pas vu. C'est quoi ça? Ah bah c'est les grenades, j'adore les grenades. Et bah voilà, c'est pas perdu. Bah je sais pas comment on fait pour les lancer, c'est pas grave. Bah j'ai bien programmé ma touche, mais du coup je gère. Oh là 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 là, il y a des machine man, alors attends. Cheval qui m'interpelle. Voilà. Cheval qui dit petite question, samedi tu joues avec Rio il me semble. Oui Nash, oui. De grosso modo de 19h à 18h. Ouais. De 9h à 18h samedi je suis avec le cousin en direct. Ouais. C'est ça Cheval, exactement. Et je suis là même, oui. Le matin aussi. Il n'y a pas de. Moi, je serai pas disposé samedi moi. Ouais, merci pour l'info. Bah j'ai envie de dire que tu perds rien finalement, tu une scène de pas être là samedi. Je vais voir la souris. Parce que de 9h à 18h je suis avec le cousin. Et... Oui non mais tu peux être certain Nash. On fait pas de Borderlands avant 15 jours, hein. On aura je sais plus le samedi 17 août je crois le Borderlands, c'est un truc comme ça. Il y aura Nayonet, de retour. Oui, c'est là où vous pourrez réapercevoir Nayonet, ouais, c'est pas avant le, effectivement ce jour-là. Ah, fallait entendre. Et entendre. Il y a du monde au-dessus, attention. Hop, 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 ils nous sautent bien, eux. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, fais continuer. Oui. Ah, j'ai appuyé sur un petit truc, fallait pas. Il n'y a pas de trésor, priori, non, c'est bon. Si, non. Ouais, je sais pas, pendant ils disaient rien. Par contre, ta vie, t'es dans le mal, tu le sais. Oh là, c'est bien ça, toi. Ouais, bah, on réinspecte s'il n'y a pas une trousse de soins qui. Hein. Voilà, parce que là, t'en auras bien besoin. Il y a pas les uns, il y a plus grand chose. J'en ai peur, mais il faudrait être certain qu'il n'y ait plus rien. Parce que ce serait dommage de snobber une trousse qui pourrait te sauver la vie. Ouais, bon, c'est mal barré, je te l'accorde. Rappelle, hein. On va voir tout en haut, on va dans le site du mur. Et là-bas, il n'y avait rien. Ouais, non, il n'y avait plus rien. Ouais, t'as pas de bol, mais t'es dans le mal. Oui, donc Nash, oui, tu peux être certain. Voilà, t'étais pas engagé, on va dire, avec moi, si je puis dire, pour le week-end. Donc samedi, ce qui va se passer,
C'est le cousin de 9h à 18h. Et à partir de 18h, bah, je filerai chez FunFan, puisqu'on a finalement convenu, contrairement à ce qui était prévu, d'un épisode commenté ce samedi. Donc à partir de 18h, voilà, j'irai sur son canal. Donc tu vois, pas de regret une scène, j'aurais même pas été dispo pour la soirée. Et voilà. Vous savez tout. Bon, alors il dit quoi? Il dit mitraillette, munitions moyennes supplémentaires. C'est pas pour vous éclairer les moyennes supplémentaires. Ouais. Ibi, sacré jeu. Bon, allez, je bois un coup. Un chien là-bas. Waouh, le chien a osé esquiver mon tir. Incroyable, mais ouais, un chien à la Matrix. Ah, il m'a mordu. Aïe, il m'a mordu le cul, je vais tourner dedans. Oh, il y a d'autres chiens différents, des bleus là-bas à gauche. Ah non, c'est un truc volant. C'est... Oui, c'est pas des chiens, ça fait. Ce Pokémon-là, je le connais pas. Non, on c'est des fameux canards, c'est ça ouais. Non, non, il y a des bouches. Ah, ils sont chiants. Faut attendre qu'elles soient posées pour les trucider. Merde, je tire sur le décor. Attention, t'as plus de 20 points. T'es dans la mise au niveau de la lumière. J'avais pas vu que c'était un ennemi. Grenade. Ouais, je veux bien avoir des grenades. Oh, attends, on a oublié la bite. Voilà. C'est les sous, ça. C'est les sous. Bah ouais, mais faut pas les négliger, les sous, pardi. Ah, mais rien, là. Hein. Ouais, là, il y a une mission, on va passer en droit. Ah ouais, y'a pas les chiens à droite. Ouais. Non, j'ai plus de balles, moi. Grenade. Voilà, j'ai eu deux chiens à la grenade. C'est une grenade de rentabiliser. Ouf, je vais étendre les jambes, je me suis mal assis. C'est quoi ça? Ah, surcharge de bouclier, prends-le. Parce que vu ton faible niveau de vie, là, ça te sauve. Les créatures blanches qui sont toutes sur moi. C'est la fin! C'est la fin pour finale. Peut-être que quoi? Peut-être que je t'aiderai avec les combats la prochaine fois. L'homme à la tête de cheval. Mitraillette. C'était pas la zone, la zone de ici par contre. Mm-hmm. Attends, c'est nous ou t'es une gâchette? Ah non, c'est ça. Un... D'accord. C'est un gant. Ouais, ouais, non, mais. Superbe. Non, bah, bon, c'est pas compatible avec moi le gant. Je sais pas pourquoi. Wouah, d'être cerné dans tout le jeu dans le niveau, là, c'est pas sympa. Ah, t'es mort. Là, je suis mort. Il est mort, le Twin Chain. Grenade. Grenade de la... Non bah la grenade j'ai perdu, j'aurais pas dû la tirer, mon choix c'était lui. À gauche, faut faire à gauche, il y en a plein. Mais je veux bien les munitions là. Ah, grenade. Je suis remboursé. Ah, je suis remboursé de tout. Alors c'est ce qu'on appelle un repli, stratégique. Alors faut juste tester, ouais. Ah. Attention à la vie, attention à la vie. Oui, tension, elle vole, donc je peux pas les toucher. C'est bizarre, mon souci. De toute façon, je serais pas crevé. Je me vois pas gagner en Rambo, tu le sais. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais... Ah oui, t'as un compteur à gauche, hein. Merde. Merde, merde, merde. Ouais, tout ce que j'ai à dire. Mais... merde.
dur. C'est quoi ça? Oh là là. Oh là là, mais y a que ça. Allez, attention. Voilà, c'est des balles à tête chercheuse, les cochonneries. C'est bon, je sais. Non, mais je vais me cerner. T'as pas des bombes à utiliser? Si, mais c'est. Ah ah ah. Sors, c'est pour moi ça. J'ai gagné du sursis, ouais. Mais je suis plus là. Mais t'es plus là. Okay, c'est triste. Parce que toujours être tout seul, là, c'est dur. Comment ça, double élimination? Ils sont éliminés tout seuls, lui. C'est en vol, tu peux pas toucher. Voilà. Oh la vache. Dur. C'est pas fini encore. Hein. Ouais, c'est pas fini, mais je gère le temps. Il y en a encore un gauche. Je récupère mon endurance, mon bouclier. Donc souffler un peu, ça paie. J'ai gagné une grande bonus. Et c'est cadeau. Allez, streak! Comment ça, pas de munitions? Le canard? Il entend que le bébé, oui, le canard? Oui, c'est pour ça que j'intervenais pas, je me disais, c'est pas ça, j'ai pas de. Il a déjà embêté. Je vais toujours à toi, merde, je me fais très mal, mais. Le fusil à pompe est pas le bon flingue, mais j'ai plus de munitions de mitraillette, je suis dans la merde. Clairement, désolé de le dire, mais. C'est la fête, t'as un petit chapeau. Et voilà. Ah, ça y est. Capote. Impossible. Impossible. Ah bah, les grenades sont mes meilleurs amis, ouais, tu m'étonnes. Meilleure arme de jeu, on a vu le strike que j'ai fait. Dur. J'aime bien leur message Discord. Viens dire bonjour. Ils vont recruter du monde. Comme c'est. Hello. On refait une deuxième tentative ou on passe à autre chose? Je sais pas quand tu veux. Parce que si on passe à autre chose, t'aurais. Là il va être 19h. Je pense que je ferai ma pause miam à 20h. Et on prendra dans la soirée pour ceux qui veulent. C'est aussi un petit peu. L'ordinateur devrait aussi, donc. Après le plan B que j'avais pensé, mais je sais pas s'il marchera. Oui, quel est ton plan B? Dis-nous tout. Faut que je sois sur Steam, parce que là je vois rien, je suis dans le jeu. Ah merde. Et que je suis en remote là. Allez, on va essayer tempête facile. Puis après, ah, mais tant de. C'est pas gentil. Ah, mais non. C'est très bien. Je... Ah. Sinon, je choisis puis tu vas éteindre. Mais non. Oui, j'ai l'impression que ça va être ça. C'est bizarre parce que tu t'as le truc qui merde. Voilà. Alors, c'est un autre mode de jeu. Je sais pas ce que ça vaut. Venez me voir pour un meilleur. Ouais. Un ah, il y a déjà du monde alors que les gens nous parlent, ok, tout va bien. C'est quoi ça? Il y a une raquette qui se voit. Pas assez de. J'arrive pas à lire. Pas assez de prix, d'accord. 250 et on a 100. Ouais, là, 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 il y a du peuple là. Ah, je n'ai pas de grenade. Et si dommage, il me manque.
Oh là là, mais ils sont appareils avec la magie du démon, ça surprend pas du tout. Démon. Ah bah, je vais voir la casse. Quoi? Un slip propre de rechange. Ouais. Tous les jours, et l'autre du coup, elle passe. On n'a pas acheté. On n'a pas acheté. Tu as remporté. Une pistole, les gens. Regardez. Oh là là, t'es. Il a oublié ça alors que je suis en musique de nuit. Viens. Qu'est-ce que c'est ça? Pistolet hanté, c'est pas ça. Pistolet en quoi? Hanté. Ah. Un lance-roquette. Viens, attends. C'est parti, ça défoule. Vandalisme. Oh, il y avait un truc dans, le, dans ce que j'ai dit, mais non. Pourquoi il n'y a pas de rotule? Enfin, il y a un truc en haut. C'est pas le temps de voir ce que je dis là, vous allez. Ah, mais il a encore, j'ai gagné un truc. Ça, là, ça paye de, tu vois, de démonter le mobilier. On va débloquer la boîte. Pourquoi ça? J'aime pas tout ce que t'as gagné. C'est vraiment une relique. Ah, une chante relique. En fait, l'âme fantôme que j'ai en même temps, elle peut tuer plusieurs ennemis à la fois en fait, à la suite. Oh. Sans aligner. Bien. Oui, c'est dans la logique, une balle 3 morts, c'est ça. Ils sont dans la ligne de mire. Ça va arriver. Et la synchronique, c'était quoi? C'était les testicules de Judas. Une bande. Ah. Effectivement, il dit pas. J'ai d'ailleurs un genre tout parce que je les recharge. Ah, je suis où? Attends. Vas-y, vas-y. Bah. Ah, je suis là. Mon cerveau a bugué. Du coup, j'étais sorti de l'écran, mais en fait, j'ai eu un mouvement de fou. Je me suis retrouvé à l'angle de la pièce, mais mon cerveau a pas accepté. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un peu trop demandant les chiens. C'est ça. Ils vont pas y manger, hein. C'est là, pas donné à manger que celle-là. C'est ça, c'est un nouveau calibre, là. Il y en a trop. Mange-toi, ouais, tu m'étonnes. C'est un carnage. Ah. Ah, ah, ah. Je sais même plus ce que je fais. On dirait un Peplum Raid à la. Justement à la. Contravenant à la. Miami Vice. Là. Non, je sais plus ce que c'est. C'est pas Miami, pardon. Miami Vice, c'est le CFL. Hi, boys, bye. Oh, la vie de la ville. Ah merde, non, c'était pour toi, con. Oh, j'ai confondu nos persos, je suis désolé. Vas-y, prends le pain, Jerry. Ah oui, c'est violent. D'accord.
Alors, comment perdre des munitions vitesse grand V mais tout bien nettoyé? Il y a des munitions en bas, il y a des munitions en bas, si tu veux. Ouais, j'ai ça. Oh la 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 la. Violence et absolue. T'as mis tes modes de jeu, t'as mis tes modes de jeu là. Ah ouais non mais là ouais non mais. L'autre il était pépère de mode hein. Oui oui oui, à côté on était des touristes, là tu m'étonnes. Oh mon dieu, j'ai plus assuré, j'ai plus de bouclier là, je sais pas si ça va, j'ai réagi là, j'ai une boîte. J'ai mis à poil, j'étais en train de déguster là. Je sais même plus où est-ce que je vais tirer, c'est un peu de bien. Ouais ouais. Ah merde. Ça ne m'arrange pas. Elle va te tenir jusqu'au bout. Ouah, baguette de bœuf. Non mais c'est sans fin le mode là, j'ai l'impression. Ah mais je sais pas, allez, je dévoile un truc, je pense que c'est ça. Par contre, tu peux dévoiler, on a presque 3000 pièces là, donc Minigun. Ah oui. Bah c'est bien ça. C'est bien hein. Trouve le téléporteur. 3 coffres sur 10. Voilà. Oui c'est... Je sais pas combien de balles j'ai mais... Wow. Voilà. T'es mort. Bah tu m'étonnes que je suis mort. Trop de violence. C'est quoi ce mode là? C'était pas le mode facile ça non? Non, alors si, attention. Ne pas confondre le mode et la difficulté. Là, c'était... On va revenir dans le menu pour que je te dise le bon intitulé de mode et faire le distinguo entre les deux qui nous étaient accessibles. Mais il y a, après le mode, la difficulté. Et j'ai toujours mis en facile. C'est dire. C'est dire, c'est dire. Alors, le mode était aventure et tempête. On a démarré par aventure où c'est romancé et on avance niveau par niveau, entre guillemets, doucement. Et tempête où, effectivement, on est dans un lieu clos assez grand. Mais il y a des vagues continues d'ennemis. Voilà. C'est pas mal, ça mérite d'exister, ça défoule de temps en temps, pourquoi pas. Merci de m'avoir présenté le jeu. En plus, c'est pas gros, hein, gratuit, sans illégal. Ça mérite d'exister, comme j'aime le dire. Ouais, ouais. Que demander de mieux. C'est ça, que demande le peuple. Ah, puis j'ai débloqué des cartes. Merveilleux.